première impression que j'ai de cette batterie, le mot que j'ai, c'est vraiment maîtrisé. Tout est propre, rond et avoir quand même une belle résonance dans le bas. Fantastique batterie. Salut tout le monde, moi c'est Boris Le Gall, le batteur de Drop Dead Chaos et je suis ici pour vous présenter la magnifique Pearl Masters Maple Pure Série. Alors sur ce kit, nous avons 10, 12, 16 en tomes. La grosse caisse est de 22 par 16 et c'est donc la configuration rock. Et la caisse claire que j'ai choisie ici est 14 par 6,5. Déjà, vous pouvez voir que le finish de cette batterie est absolument magnifique, à ce bleu turquoise avec une ligne noire au milieu que moi, perso, j'adore. Et en niveau du bois, donc là, on a 4 plis d'érable de 5 mm. Et en plus, en haut et en bas du tome, on a 4 plis en plus de renfort. Et ça donne vraiment un son très maîtrisé, en fait. Assez rond, mais toujours propre et maîtrisé, regardez. Avec la rondeur du floor tom et cette grosse caisse qui est absolument magnifique. La caisse claire aussi, donc c'est la même configuration, c'est-à-dire c'est 4 plis et 4 plis en plus en haut et en bas pour en renfort. Et franchement, tu as une maîtrise là dans le grave qui est un peu mortel et en fait tu as le smack, donc le hit quand tu fais du rimshot qui est vraiment, qui ressort très bien. C'est-à-dire que là, par exemple, quand même pas mal de grave dans la ghost note et dès que tu passes en rimshot, ça sonne, tu as quand même le gras qui reste et tout. C'est hyper bien comme caisse claire, ça, j'adore. On a une finition magnifique qui est donc custom, parce que tu peux aussi avoir la version premium qui a d'autres coloris un peu plus standard, et le choix aussi que tu peux avoir, c'est sur les tout ce qui est hardware du tome. Par exemple, tu peux choisir en chrome comme ici ou en black. Tu as plusieurs choix en fait qui sont assez cool. Cette Pearl Masters Maple Pure vient aussi avec les suspensions R2R ici, qui est la révolution de toutes les nouvelles batteries haut de gamme de chez Pearl, que j'adore. C'est un système qui va en gros porter le tom dans l'air et ça va le faire en sorte qu'il va sonner le plus pur possible. Et vraiment, c'est un truc que tu ressens quand tu joues la batterie. Ce système-là est vraiment incroyable. Sur toutes les séries haut de gamme, vous avez le choix entre deux attaches de tomes. C'est-à-dire que vous avez cette attache-là, qui est donc l'Optimount, qui est connu de Pearl depuis des années, et le nouveau Gyrolock L-Rode aussi, qui est arrivé. Et donc voilà, vous avez le choix entre ces deux systèmes. Et du coup, cette batterie peut totalement faire le job pour tout ce qui est fusion, rock, même un peu de métal aussi, on peut rentrer dedans aussi, franchement, c'est... Moi, je pense qu'elle est vraiment faite pour ces trois styles-là, c'est vraiment très très bien. Perso, ça fait assez longtemps que je joue de la batterie, j'ai essayé plusieurs batteries de plusieurs marques différentes, et c'est vrai que là, tu sens que tu arrives sur une batterie haut de gamme, ça t'envoie vraiment beaucoup de sons, et t'as envie de rejouer, t'as envie d'y retourner, ça aide vraiment à vouloir vraiment jouer de la batterie, c'est vraiment incroyable.